youtubeuse. Alors, ce matin, j'ai enfin reçu ma Glossybox Clarins. Alors, je peux vous dire que je l'ai reçue énormément en retard. D'ailleurs, Glossybox m'avait écrit des messages, j'étais pas très contente, hein, parce que je devais la recevoir bien avant. Mais vous savez pas la bourde qu'ils ont fait. Ils m'ont appelé Sandra Kouf Ball Bowman. C'est pour ça que je ne l'ai pas reçu. Ils se sont carrément plantés alors que j'avais très bien rempli sur le site Glossybox mon adresse. Alors je suis dégoûtée, dégoûtée parce que je l'ai reçu donc presque 3 semaines. 3 semaines après, 3, 4 semaines après l'avoir eu. Et vous voyez, elle a été envoyée dans ce colis-là, reçue dans cette magnifique boîte. Donc très très bien protégée. Petit truc rouge. Voilà la présentation. Elle est top, hein, il n'y a pas à dire. Et tout était dans la pochette. Vous voyez, la pochette Clarins. Bon, le tout pour 19 euros frais de port compris. Donc c'est vrai que ça valait quand même le coup. Après, j'ouvre la palette, hop, je vois ce que j'ai dans ma pochette. Alors donc j'ai le bébé Skin Perfect Cream SP25, le multi-actif crème lissante jour peau sèche, le lift lait fondant régénérant, le doux nettoyant gommant express tout type de peau, le crayon yeux noir, et je pensais donc avoir comme les autres les blushs. Et en fait non, j'ai eu un joli rouge à lèvres. Alors les blushs et puis la palette pour les yeux. J'étais un petit peu déçue, j'aurais préféré à la place du rouge à lèvres. Je pense avoir les blushs. Enfin, peu importe, j'ai eu ça. Donc, je vais vous montrer. C'est comme les autres. Hein. Il y a les notices hein, de chaque produit. Hein. C'est ce qui est bien quand même pour en risque d'allergie. Donc, il y a le petit crayon noir Clarins. Hein, comme les autres l'avaient fait. Bon, il marque très bien. Après, il faudra voir en muqueuse. Donc, on verra bien. Vous avez donc ce petit doux nettoyant gommant express à la sève d'orange, 20 ml, qui paraît très bien, donc qui me permettra de l'essayer. Vous avez aussi, alors ça que ce que j'adore, la crème multi-active, crème lissante rides précoces, donc ce qui est bien pour moi, mais je vois à travers qu'il n'y a vraiment que 15 ml, hein, parce qu'on voit que le tube n'est pas du tout plein. Donc voilà, donc on verra bien aussi. Je m'en servirai, ça c'est net, hein, vu mes 36 ans. Il y a de l'effondrant Jeunesse Corps. Là, vous avez 30 ml. Alors celui-là, il est plus rempli, hein, ça se voit tout de suite. Donc ça s'applique sur tout le corps en remontant des chevilles vers le décolleté. Donc on essayera aussi. Pour bon, moi, sachant que j'adore les odeurs Clarins. La bébé Skin que vous avez donc en teinte médium. Donc moi, pour moi, c'est parfait. Beaucoup de youtubeuses en fait étaient déçues parce qu'ils avaient la médium, mais je sais très bien que moi, médium, c'est ma couleur de peau. Donc ça ne me déçoit pas plus que ça. Et donc, à la place que ce que les autres youtubeuses ont eu, moi j'ai eu ce fameux petit rouge à lèvres. Alors, bon packaging, hein, bien sûr, Clarins. Donc c'est le 705 Soft Berry. Alors, j'approche Soft Berry 705. Et je vais vous faire. Donc, vous montrez déjà la couleur et la contenance. Donc, vous n'avez que ça. Je trouve que c'est petit. Moi qui ai l'habitude d'avoir des rouges à lèvres qui viennent. Et pour le swatch, voilà. Oh, il est pas mal hein, quand même, je trouve. Hein. Donc, c'est un petit saumoné. Oui, là, c'est sympa. Hein. Mais bon, on n'en a pas beaucoup. Mais bon, c'était des tests. Hein. Donc, je testerai tout ça. Et puis, je vous dirai. Hein, ce que j'en pense quand même, je pense que ça sera dans mes produits finis du mois de novembre, parce que je pense que je vais en un d'ici la fin du mois, ces produits seront finis, hein, c'est clair, parce que vu leur contenance, puis vu que je vais les utiliser quotidiennement, je pense qu'ils seront finis. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Et puis voilà, je pense que je ne recommanderai plus chez Glossybox, vu qu'ils sont plantés sur mon adresse et vu les délais de livraison, ça m'a dégoûté. Hein, parce qu'à chaque fois que j'allais à la boîte aux lettres, il n'y avait rien. Donc, je ne recommanderais plus, moi, hein, sur Glossybox, même s'il y a des super affaires à faire. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, je suis dégoûtée de se planter comme ça, alors qu'on a bien répondu le questionnaire. Je trouve ça. Et j'ai même pas eu quelque chose en dédommagement, alors que c'est pas ma faute, quoi. Alors, je trouve ça.
complètement débile. Et quand je leur écrivais, ils me répondaient quasi pas. Donc moi, Glossybox, zéro, quoi. On verra bien, hein. J'ai mis 19 euros, j'en mettrai pas plus, c'est clair. Bon, ben sur ma déception, je vous dis quand même à bientôt, mais vous, si vous avez envie, hein, allez prendre des Glossybox. C'est pas. Moi, en tout cas, niette. Enfin, je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, comme je le dis d'habitude, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir.